Salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille. On se retrouve aujourd'hui sur oldschoolgameuniverse.blogspot.com ou .fr. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un jeu de course de rallye, pour être précis. Il s'agit de Dirt 4, sorti sur Xbox One et PS4 PC en juin 2017, donc il y a plus d'un an. Et oui, il m'arrive de temps en temps de faire des anciens tests de jeu. Et l'ayant testé, en fait, Récemment, par l'intermédiaire du Game Pass sur Xbox One, je voulais du coup vous en faire profiter. Je voulais vous donner mon avis bref sur le jeu. Et donc après pas mal de temps passé dessus, je vais donc vous donner mon avis. Donc tout d'abord, ce jeu, avant de parler des graphismes, on va d'abord parler du plus important, c'est donc son gameplay. Donc déjà, c'est un, comment je pourrais dire, ce jeu de course de rallye, à la différence de certains anciens jeux de rallye par les mêmes éditeurs, c'est un jeu qui est très accessible, donc très très arcade, tout en étant à la fois simulation. Donc en fait, vous avez deux modes de jeu, vous avez le mode gamer et le mode simulation, qui vous permettra, si vous choisissez le mode gamer, donc de bénéficier donc du mode arcade, avec une conduite beaucoup plus, finalement beaucoup plus accessible, beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable, en fait, si vous voulez plus passer comme ça un bon moment en voiture, plutôt que qu'une conduite plus simulation, et donc du coup beaucoup plus, on va dire, corsé en difficulté et beaucoup plus réaliste. Donc voilà, donc du coup pour les puristes, ils auront donc le mode simu qui leur permettra justement d'avoir donc tous les avantages et inconvénients d'un mode simulation, hein. Donc la voiture pourra patiner facilement, faire des têtes à queue, etc. Elle sera vraiment la voiture pourra aller dans le décor assez facilement, enfin bon, peu importe, il y aura tout plein de détails assez réalistes par rapport à la simulation, hein. Donc là justement je vous montre une spéciale de deux courses en fait à Michigan. Donc déjà la première en vue intérieure avec le volant, parce que je trouve que cette vue était vraiment très très immersive. Et c'est le genre de vue, je trouve, qui nous donne vraiment une excellente impression de vitesse. Vraiment, le jeu, il est très très rapide de ce côté-là. Vraiment, la vitesse est vraiment présente, quoi. C'est pas lent du tout. Il y a une excellente impression de vitesse. Donc ça, c'est très très agréable. Moi, j'ai choisi le mode gamer parce que finalement, je suis quelqu'un qui suit plus arcade que simulation. J'aime bien la simulation, mais plus à petite dose. Donc du coup, c'est vrai que moi, je suis plus orienté arcade en général sur les jeux de course ou les jeux de sport en général. Donc voilà, donc j'ai choisi ce mode-là. Donc ensuite, voilà, que les puristes n'aient pas peur, parce que c'est en même temps un jeu hyper technique avec son mode simulation, hein. On a un mode carrière qui est très très complet, hein. On a le mode carrière, on va dire, plutôt classique. Donc ensuite, mode carrière vraiment principale, où vous serez un chef d'équipe qui va donc, après avoir affaire à ses sponsors, etc., les achats de véhicules, enfin bon, voilà. Vous aurez pas mal de modes de carrière à faire, pas mal de courses différentes, de véhicules différents, tels que du off-road, avec des buggies, tout ça, des camions. Enfin, il y aura quand même pas mal de choses vraiment très très complets, hein. Je pense que la durée de vie peut avoisiner la centaine d'heures si vraiment on fait le tour, mais complètement, du jeu, quoi. Si vraiment on fait tous les défis, toutes les courses, etc., hein. Donc il y a aussi pas mal de défis communautaires. Donc il y a un multijoueur aussi, bien sûr, qui pour certains peut-être est moins appréciable qu'un Dirt 3, je crois, enfin je sais plus trop lequel que c'était, mais j'ai pas joué. Donc en fait, j'avais entendu dire que apparemment Dirt 4 proposait pas forcément le meilleur multijoueur, mais il est quand même très intéressant. Voilà, donc à noter quand même que c'est un bon mode. Donc sinon, on a un éditeur de spécial qui va vouloir vous aider à créer votre circuit et le proposer en ligne aussi, pour que les autres joueurs de ce jeu puissent en bénéficier, donc ce qui est plutôt très appréciable, hein.
un leader de circuit vraiment très convaincant. Ensuite, on a une bande son qui est vraiment très très agréable, que ce soit au niveau du bruit des voitures, hein, le moteur, etc. Les bruits environnants, bien sûr, les musiques qui sont plutôt pas mal. Donc c'est au niveau de la durée de vie, c'est vraiment excellent. La bande son, pareil. Bonne sensation de course, excellente prise en main, que ce soit pour le puriste en simulation ou vraiment le mode gamer pour plus les puristes d'arcade. Donc là, c'est vraiment bien parce que tout le monde peut s'y retrouver. Hein, c'est vraiment génial. Donc là, maintenant, on va plutôt passer sur les points négatifs. Donc moi, déjà, les menus, je les trouve pas forcément super... convaincant. Ensuite, on n'a que 5 destinations. Voilà, bon, il y a quand même pas mal de circuits, mais bon, je veux dire, ça fait que 5 pays en fait, donc c'est pas énorme non plus. Les graphismes, honnêtement, je vais vous dire que c'est pas spécialement joli, parce que quand on voit la texture de la végétation, tout ça, même si on est en voiture, on s'amuse pas trop à s'attarder ce genre des détails, mais entre nous, c'est pas spécialement joli joli, quoi, hein, c'est, disons que ça se regarde, quoi. Bon, après voilà, donc c'est pas vraiment beau, je trouve. C'est malheureusement, c'est le point négatif de ce jeu, c'est pas vraiment beau, et ça, c'est vraiment dommage. C'est même honnêtement, pour un jeu qui est sorti il y a un peu plus d'un an, c'est même limite pas beau, quoi. Mais bon, je vais pas non plus trop le descendre non plus, mais en tout cas, pour le reste, très très bonne sensation de vitesse, gros contenu, donc voilà, bonne durée de vie, tout ça, ça se conduit vraiment super bien, que ce soit encore une fois en simu ou en arcade, donc tout le monde peut y trouver son compte. C'est vraiment un excellent jeu, voilà. Donc sinon, que dire d'autre? Donc du coup, j'ai voulu vous montrer comme ça brièvement deux petites courses qui se trouvent toutes les deux à Michigan. Donc vous avez vu la première en vue intérieure et la deuxième donc en vue, on va dire, troisième personne en vue sur la voiture. Voilà, qui est donc les deux vues en général que j'utilise. Je ne suis pas trop vue de capot. C'est pas forcément le genre de vue que j'apprécie, d'avoir comme ça la caméra sur le capot. Honnêtement, pour ceux qui auraient tendance peut-être à chipoter sur les vues intérieures, franchement, ça se conduit très très bien, on n'est pas trop déstabilisé, et en plus, la sensation de vitesse est beaucoup plus convaincante en vue intérieure, même si j'aime bien aussi la vue à la troisième personne. Voilà, donc moi j'espère que cette vidéo de Dirt 4 vous a plu, et je vous dis donc à bientôt.